Bonjour à tous, nous allons faire notre deuxième tuto avec Movie Maker et nous allons traiter aujourd'hui la vidéo. Donc nous allons ouvrir Movie Maker qui se trouve sur votre bureau ou sur votre barre de tâches. Nous ouvrons, voilà, et là nous allons mettre notre vidéo. Alors, elle a été sélectionnée, j'ai sélectionné ma vidéo, j'ai commencé à l'arranger un peu, hein, et nous allons regarder ce qu'il y a de nouveau par rapport aux photos, hein, des choses différentes, un peu, là, voilà, ici, là, sur votre droite, en haut, vous avez la stabilisation de l'image, c'est-à-dire que, bon, ben là, actuellement, sur cette vidéo-là, on n'a pas eu de problème. J'étais monté sur un trépied, la caméra était sur un trépied, donc il n'y a pas de problème. Hein, mais enfin, on aurait pu faire ça à main levée, ou il aurait pu y avoir beaucoup de vent, et ça aurait pu bouger. Alors, donc, moi, j'ai marqué aucune vibration, hein, mais vous pouvez marquer faible tremblement ou tremblement élevé, et ça, la vidéo le stabilise légèrement. Ensuite, la deuxième chose qu'il n'y avait pas sur les photos également, c'est la découpe. Alors donc, bien sûr, dans ces vidéos, on peut découper, on peut fractionner. Donc on fractionne, hein, on refractionne, on supprime, voilà. Et donc là, logiquement, enfin bon, on a fait ça à l'arrache, mais normalement, on a supprimé une zone qui ne nous intéressait pas. Si on s'est trompé, par exemple, c'était l'occasion de le voir tout de suite, et ben on revient en arrière. Vous voyez, on appuie sur toute flèche bleue là-bas en haut, et on revient comme au point de départ. Ensuite, la chose qui est aussi également dans les images, mais là c'est pour la vidéo. Donc, nous, notre vitesse de croisière c'est 25 images secondes, donc on est sur le 1. Ici, toujours, par défaut, c'est le 1. Hein, et si on se met en dessous, et ben, on ralentit. Et si on se met au-dessus, on accélère. Donc, on va faire des petits essais tout à l'heure. Et après, tout le reste, et ben, c'est identique. Bon, là, sur cette vidéo, il y a du son. Hein, parce que la vidéo, j'ai enregistré avec le son. Bon, c'est un son d'ambiance. On peut le laisser, c'est pas désagréable. Hein. Nous, pour nous simplifier un peu le travail sur la vidéo, on va le supprimer pour le moment. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous, si vous voulez vous resservir du son par la suite, vous pouvez l'enregistrer en MP3 avec Audacity, hein, et puis vous pouvez reprendre des bouts pour votre vidéo, c'est des bruitages. Bon, ben là, Là, c'est que des cris, des bravos, alors donc ça ne pose pas de problème, il n'y a pas de conversation, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Hein. Mais là, nous, on va enlever le son. Alors donc, on ne l'enlève pas, on le baisse à fond. Voilà. Hein. Comme ça, on ne sera pas embêté. Donc maintenant, on va s'amuser à faire quelques coupures. Hein. 2, 3 pour voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Alors, voilà. Là, notre véhicule, il est passé. Vous voyez que ce qui arrive derrière, c'est encore assez loin. Hein. Alors, donc, on va... Voilà. On va fractionner comme ça. Hein. Bon, là, on fait ça, on supprime. On ne fait pas de sentiment là. Hein. Alors là, on va fractionner parce que j'avais envie de faire tout à l'heure une petite vitesse avec. Avec la cafetière. Alors, ici en bas, vous avez aussi, vous voyez, c'est pour réduire votre vidéo, là. Hein.
Et ça, c'est pour augmenter. Bon, des fois, ça permet, quand on coupe, quand on a des coupures à faire assez précises, on peut faire ces coupures plus précises. Regardez par exemple là, voilà. Là, j'ai mis mon, voilà. Alors, fractionner. Et on continue. On peut l'avancer, là comme ça va beaucoup plus vite. Donc la vidéo faisait 3 minutes. On va l'arrêter comme ça sera pas trop long. Là, on va fractionner et on supprime le reste. Voilà. Bon, là on a une vidéo qui fait 2 minutes 16. On en a largement assez pour faire des essais. La peine de faire des essais pendant 1 jour. Alors là, à chaque fois ici, on a la coupure. Donc on peut mettre des effets à cette place-là. Donc on peut mettre un effet là. On peut en mettre un autre effet là. Il ne faut pas mettre de trop non plus les effets, mais enfin, il faut en mettre quand même. Et l'effet, si vous voulez qu'il fasse, là il fait une seconde et demie, si vous voulez qu'il fasse 2 secondes, et bien voilà, on le rallonge. Hein. Ici, on va en mettre un autre, voilà. Mettons qu'on ait mis tous nos effets, hein. On peut faire pareil avec les effets, par exemple, si vous voulez les effets visuels. Si par exemple vous voulez que cette partie-là soit en noir et blanc pour une raison ou pour une autre, parce que ça vous fait comme ça, là, vous la mettez en noir et blanc. Donc là, elle sera. Ah, d'accord. Parce qu'il y a un bout là. Ah, d'accord. C'est bien, on va supprimer comme ça. Voilà, il nous embêtera plus. La couleur noir et blanc là. Par contre, celle-ci, voilà. Ah oui, d'accord. C'est parce que là, étant donné qu'on a mis toutes les photos, les petites séquences, elles sont tellement raccourcies qu'on ne les voit pas. Alors, ici, par exemple, là, pour les cafetières, on peut aussi mettre de la vitesse. Alors, on va mettre à 2, donc ça sera pas mal. Ici, on peut mettre une vitesse aussi. On peut la mettre à 8. C'est tout à fait. Et on va essayer d'en mettre une lente pour voir. On va faire une coupure là, fractionner, donc c'est un peu de l'arrache, hein, et 0,25. Voilà. Bon, alors on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Alors on l'a mis sur grand écran, bien sûr, les effets, les animations. Alors, on va regarder un peu ce que ça donne. Et là, on est passé en noir et blanc. Là, on est en vitesse. Alors, c'est marqué en haut, la vitesse. On est à 0,25, on ralentit, là. Vous voyez, ça bouge quand même. Et après, il y en a une qu'on va passer à 4, je crois que c'est après. Là, on va couper, là, on va fractionner et on va mettre un 1. Hop, on va s'en mettre là. Alors là, on passe à 1. Vous voyez, c'est marqué là. Hein.
on va fractionner celui-là. Et ici, on va mettre 4. Alors là, on est à 1, et là, on va passer à 4. Vous voyez ? Voilà, ça change tout de suite l'allure du bureau. Voilà. Hein ? Donc là, vous avez compris le principe, c'est tout simple. Hein ? Et maintenant, on va mettre un titre, bien sûr. Alors le titre, c'est comme dans les photos, soit qu'on se met comme ça, mais bon, ben, c'est pas trop pratique, et moi, je trouve que c'est moins joli. Voilà. Nous, on va mettre notre titre comme ça. Alors, on va marquer le tour, par exemple, le tour. Je vous refais voir, normalement, on l'a déjà vu sur les photos, mais enfin, je vous refais voir quand même. C'est un petit rappel, petite piqûre de rappel. La grandeur. Et puis la couleur, par exemple. Voilà. Et là, on peut mettre en gras. Et en italique, c'est pareil que. Et on place là. Et on va lui faire un effet. Voilà, bah, si on peut faire cet effet-là. Voilà. Comme ça. Vous voyez. Alors. Ici, si vous voulez que ça soit plus long, là, si vous voulez que ça apparaisse plus long, là, vous voyez, on l'a mis sur. Une seconde 47. On peut le mettre sur 3 secondes. Voilà, vous voyez, vous avez le temps qui se rallonge là au bout. Hein, bon, on va faire notre petit truc de fin exactement pareil. Alors, ici, on va se mettre là, on va se mettre une petite légende. On va écrire fin, N, on va écrire en majuscule sur les titres aussi bien, N, musique, je vais toujours marquer musique quand ça ne vous appartient pas, voilà, après vous marquez à bientôt ce que vous voulez, c'est pareil si vous cherchez une police qui vous plaît, une couleur qui vous plaît ou qui vous plaît moins, l'italique, le gras, voilà, bon, c'est joli, ça vous plaît, hop, enfilade. Voilà. Et par contre, on peut mettre aussi également une musique, hein, hein, parce que la musique, c'est pratiquement indispensable. Alors, on va aller dans l'accueil, bien sûr, on va sélectionner la musique. Alors, c'est soit qu'on met la musique ou soit on remet le son. On va faire un essai avec le son, comme ça je vais vous faire voir comment on fait, voilà. Alors ici, on va remettre le son. Hein. Ah oui, alors, je vous l'avais bien dit tout à l'heure, il faut remettre le son à chaque séquence. Hein. Voilà. Là, bon, on va l'arrêter le son. Il s'arrête à chaque séquence, c'est normal, parce que maintenant, c'est comme si vous aviez 3-4 petits films. Hein. Là, il n'y a plus de son. Voilà. Donc, maintenant, on va mettre une musique, ça sera plus simple. Alors, on va attaquer la musique. Alors, c'est pareil, la musique, si vous faites des coupures quand vous avez votre musique, eh bien, il manquera des petits bouts, hein. Ça sera exactement pareil que pour ce son-là. Hein. Alors, ajouter musique. Alors, musique, on va regarder ce qu'on met. On va mettre ça, donc on est tranquille. Et maintenant, on va s'amuser à l'écouter. On va baisser un peu le son parce que c'est encore, ça va marcher fort. What good is sitting alone in the room? Mais c'est pas désagréable la musique, elle est. Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. Down that nipple, the book in the broom.
s'arrêter là, et puis on va maintenant l'enregistrer. Hein? Alors, on va pas oublier d'en mettre le son, parce que sans quoi l'enregistrement, il n'y aura pas de son. Hein? On va pas être déçu du pays. Alors là, ben, on considère que notre vidéo est terminée, donc on va vérifier. Je vais vérifier un peu si j'ai rien oublié de vous dire. On a mis la vidéo, on a mis le son, on a mis le titre. Ici, par contre, je voulais aller voir dans les photos, mais là, si vous voulez faire une tourner votre vidéo, hein, enfin bon, c'est pas vraiment le but. Mais enfin, des fois, ça peut arriver quand la vidéo est à l'envers, quand on a bougé un peu sa caméra. Donc là, c'est les animations. On a vu les animations, on a vu les effets. Le projet, on est en 16/9. L'édition, c'est les vitesses, les fractionnements, la stabilisation. Par contre, ici, la musique, on peut la faire. On va faire à la fin, comme ça, ça s'en va tout doucement. Hein, comme ça, c'est plus agréable. Et nous, on va enregistrer la musique et après, on regardera la petite vidéo qui dure exactement 37 secondes 44. Alors, donc, on ne perdra pas beaucoup de temps. Alors, pour enregistrer la vidéo, on vient ici, on se met sur accueil, on vient ici enregistrer le film en haute définition. Hein? Ici, on le renote, on le nomme pour le retrouver. On le met dans les images et enregistre. Donc voilà, il s'enregistre. Dans le prochain cours, on fera un mélange de vidéos et de photos. Et voilà, l'enregistrement est terminé. Donc, je vous conseille toujours de lire la vidéo avant de tout éteindre, parce que si jamais vous êtes planté, des fois ça peut arriver quand on oublie notre leçon, ou il y a quelque chose qui ne plaît pas, on le refait tout de suite pendant que c'est chaud, hein, parce que si vous faites le lendemain, des fois on ne se souvient plus et qu'on ne fait pas attention. Alors là, on va écouter la vidéo. What good is sitting alone in the room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down that knitting, the book in the room. Et bien voilà, notre petit tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur ma boîte YouTube. Et puis, ben, faites-vous plaisir et à la prochaine fois. Au revoir.